Salut à tous, c'est Macognor Minou. On est encore sur KOTOR pour la suite. On vient de niquer le rancor et on va s'infiltrer dans la base des Vulcars Noirs. Alors, je sais même pas si on dit des Vulcars Noirs, hein, mais... Moi, c'est comme ça que j'ai envie de les appeler. J'ai un souvenir de ça. Je crois qu'ils s'appellent les Vulcars Noirs. Et les becs, quelque chose. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est... On va se calmer sur les medikits parce qu'on commence à être... Je sais pas combien durent les brassards. Donc bref. On va où? On va faire toujours dans l'ordre. Je vais toujours vers la droite. On a un droïde. Ce qui est chiant, c'est qu'il bouge. Je me suis dit, il a un blaster, il va pas. Ah, il a continué de marcher. Alors, ici. Ouh, c'est pas un bruit de droïde ça. Je crois qu'on est dans des. Comment? Dans des. Donc là, on arrive d'ici. Des cellules. Je crois que ce sont des cellules. Non, des portes standards, donc c'est pas des cellules. Ah, mais j'ai pas assez de pièces détachées, c'est con ça. En réparation, je crois que j'ai le Wookie. Je crois que plus on est monté en réparation et moins on utilise de pièces. Donc là, j'étais un petit peu con. C'est dommage, c'est quand même bien pratique, hein, un petit robot qui patrouille pour nous. Ça nous nettoie un peu le passage. Mais combien? Une seule? Pas aller loin avec une seule pièce détachée. Si je lui mets l'armement, il va pas bouger. Non, je vais garder mes pièces détachées. On y va. Ouais. Des pièces. Peut-être que j'y tournerai si j'en récupère assez. Ici, on a quoi? Ok, on va retourner vider les autres cellules, les autres pièces. Je sais pas comment vous voulez appeler ça. Et si c'est un couloir? J'ai vu un patrouilleur, on va pas y aller tout de suite. Ok, direct. Direct, on se fait... Ok, ça marche. Et bien pour avoir un petit coup tranquille. Bon, théoriquement, hein, on tue des robots, on devrait pouvoir ramasser des pièces détachées. Ce serait quand même vachement pratique. Yes? Ça commence à être tendu. Bon, on va peut-être changer de niveau au passage, c'est ce qui va peut-être nous sauver. Des grenades, ça fait toujours plaisir. Une serveuse. Ne me faites pas de mal. Je suis juste serveuse ici, c'est tout. Je ne suis pas comme les autres. Non, je ne vais pas me laisser faire comme ça. Eh oui les gars, on est du côté obscur, hein, on n'est pas des saints. Yeah. Dark side. T'as rien sur toi, dommage. Cuisinière. Elle est où ta toque? Une belle cuisine, hein, c'est cool. Tu vas t'éclater ici, toi. Bon, on récupère ici. Dans le couloir. Ils nous ont repéré, c'est dommage. Yes. Ah, merde, on l'a perdu.
Bon, alors là, mon medikit se met pas en premier, medikit, parce que j'ai une action en cours. Je vais essayer de soigner quand même un petit peu. La petite sauvegarde qui va bien. On sait jamais ce qui peut se passer. À savoir que oui, je vous l'ai dit, mais il y a une sauvegarde automatique. Donc voilà, c'est quand même pratique. On peut pas être tranquille ici, hein. On va récupérer mission, on va faire le point, on va la soigner un petit peu. Ouais. On va lui mettre un bouclier parce qu'elle est un peu fragile. Yes. Toi aussi, mets ton bouclier. Toi aussi, mets ton bouclier. Hein? Gotcha. Simple. On récupère du matos là. Une cellule. Ah, ça c'est super. On va pouvoir s'éclater un peu. Pas pour le moment, à moins qu'il y ait de quoi. Peut-être toi, tu mets pas du lourd, toi. Il y a un truc que j'avais pas regardé, c'est. 17. La combinaison militaire est un peu plus costaud. On va te la mettre. La combinaison, bien sûr. Et on va mettre tout ça. Voilà. Alors, on est où? Parce que moi, j'aime bien avoir une base. Savoir où on va, qu'on nettoie tout, qu'on oublie rien. On retourne à la ville basse, ça me plaît pas du tout. Re-rentrons. Je t'ai pas mis un bouclier, toi. Bon, ici on a déjà nettoyé, ok. Bon, visiblement on a l'air d'avoir fait le plus gros du tour, hein. On va aller un petit peu par là. J'ai combien de pièces? J'en ai 3. Je peux récupérer l'arme, mais toujours pas. Toujours pas. Tant pis. T'es trop lent, toi. Il va sûrement à la même vitesse, mais si vous voulez, le. Ça me plaît pas. On va où alors? On longe le couloir. J'aime les jeux où il y a une carte, où on n'est pas paumé. Ici, on a un terminal de sécurité. Bon, ce qui est bien, c'est que du programme, j'en ai plein. Oh merde. Bon. Parfois, alors voilà. Il y a de grandes chances qu'on se fasse fumer en fait. Elle peut se mettre en discrétion. Donc je vais être en mode solo. Mais normalement, les tourelles, elles one shot, hein, direct. C'est un peu. Voilà. Sure. Donc bon. Non, 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 non. Ah oui, c'était sûr. Est-ce que je vais tenter un truc? Je vais tenter la technique ultime. Je vais essayer de prendre l'échelle, voir si mes compagnons reviennent avec moi. Ça m'éviterait de devoir recommencer. Bon bah voilà, je me suis fait baiser.
Du coup, ce qu'on va faire, on va charger la partie. Hop. Le pire hein, dans l'histoire, c'est que je le savais pour les tourelles. Yeah. Toi, le bouclier. Yes. Le bouclier. Le bouclier. Et le bouclier. Ouais. On va récupérer tout notre matos. Gotcha. Simple. On s'introduit, ok. On va accéder aux commandes, on va ouvrir toutes les portes. Si je provoque une tension, je crève. Si je télécharge un plan, moi j'aime pas parce que j'aime bien voir les zones d'ombre pour savoir où j'ai été ou non. Donc on retourne, on va regarder les caméras. Ouh, désactivé. Donc là les tourelles c'est bon, on a réglé le problème. Ça c'est cool. L'armurerie, y a rien. Les baraquements, une petite sous-tension, ça fait pas de mal. Rien, il doit se demander ce qui se passe. On retourne. La salle commune, ok. La piscine, les gars ils ont une piscine. Elle fait un peu la gueule. Ok, l'ascenseur, on a réglé le problème. La salle de contrôle, il y a un gugus. On est bon. Ça, c'est cool. Alors, on sait jamais ce qui peut se passer. J'ai pas envie de refaire tout ça, donc je vais sauvegarder. Voilà. Maintenant, on décolle. Je me rends, ne me tuez pas. Je vous en prie. Je ne suis pas comme les autres, je n'ai rien à voir avec Brej et ces nouveaux Vulcars. T'es un Vulcar ou pas? Je suis un Vulcar, mais j'en étais déjà bien avant que Brej te prenne le pouvoir. Ce nom voulait encore dire quelque chose, c'était le temps où nous avions un comportement honorable. Les tout premiers Vulcars tels que moi sont traités comme des citoyens de seconde zone désormais. Autrefois j'étais un des membres les plus influents du gang et aujourd'hui je monte la garde. Si vous croyez que je me laisse tuer, ouais. Mon gars, il me faut des points du côté obscur. C'est bien, tu t'es bien défendu. Et ça dure pas longtemps les boucliers quand même hein. Alors qu'est-ce qu'il gardait? Juste des pièces détachées, d'accord, normal. La pause. Ici nous sommes déjà allés. Il n'y a pas de liaison normalement. Alors on a le Vulcar. Donc c'est ceux qu'on a électrocutés. Le gars il est resté ici. Au milieu des cadavres de ses potes. Allez, t'as quelque chose toi. On a toujours des pièces. Là on peut peut-être aller chercher notre robot. Mais ça sert à rien, on a déjà tout nettoyé. J'ai vu qu'on avait chopé un truc violet là. C'est pas un pass par hasard? Un laissez-passer. Terminaux de sécurité. Et ça c'est cool. Et ça, c'est super cool. Il devrait faire comme dans Pokémon, des poches. Poche objet mission, poche objet rare. Encore un laisser passer, ok. Bon, on est pas trop mal là. En plus, on a désactivé les tourelles, on va pouvoir y retourner. Là, c'est la piscine. Qu'est-ce qui va se passer dans cette piscine? D'accord, c'était un piège. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a encore du gaz? Eh ben non. Ok.
Alors. Toi, c'est bon. On a tous une petite ceinture, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a chopé alors? C'était quoi ces petits zigouigouis là? Une détente, ok, donc ça sera pour améliorer du matériel. Bon, on est retourné ici. Elles étaient où déjà ces tourelles? Voilà, donc ces tourelles, on les a désactivées. Donc ce que je fais, c'est qu'on va arrêter l'épisode ici, et dans le prochain épisode, on va voir ce que nous donne l'ascenseur. Mais normalement, on devrait pas être loin de la fin de la base des Vulcars. Allez, à la prochaine, bye bye!